Une serpente, une femme à corps de serpent. Plus tard, les années ayant passé, j'ai continué de rêver à ce point bleu au flanc de la serpente où ce n'est pas tout à fait de la chair, pas tout à fait de l'écaille. Ce point du passage, métaphore ou métamorphose, le point de la transition. Et puis j'ai eu envie de faire œuvre de ce point-là, de ce point d'incertitude. Et je me suis dit que peut-être notre époque, avec ces médias qui pullulent, qui se développent, qui disparaissent, peu disparaissent d'ailleurs, ils passent à l'arrière-plan, d'autres viennent au premier plan. Mais nous vivons une époque où les médias sont multiples et où notre regard est soit éparpillé, soit écartelé, soit élargi par tous ces médias. Les médias étant pas seulement des transports d'informations, mais des matériaux qui modifient notre regard. On ne voit pas le monde de la même manière après avoir vu une sculpture en marbre ou un modelage anglaise. C'est très différent pour le sculpteur même. C'est le sculpteur même, ce n'est pas la même nymphe, peut-être, qu'il sculptera dans l'une ou dans l'autre. Eh bien, je me suis dit que peut-être le matériau de notre âge, de notre ère, de notre époque, c'était cet ensemble de médias éclatés. Et fidèle à l'image de la Mélusine qui m'avait si fort impressionné, de la serpente transylvaine, que nous appelons Mélusine en France, c'est une vieille divinité qui parcourt toutes nos campagnes d'Europe, et très lointaines, que le média le plus fidèle pour la représenter, c'était cet assemblage de médias qui constitue notre environnement constant, quotidien de nos jours. C'est pourquoi vous allez parcourir un labyrinthe de 24 œuvres différentes sur des médias multiples, depuis l'art plastique jusqu'au cinéma, en passant par la musique et le son, et d'autres arts encore, d'autres médias. Et voilà, je ne veux pas vous en dire beaucoup plus, et je ne sais pas à qui nous avons passé la parole maintenant, mais je voudrais terminer tout de même en remerciant un certain nombre de personnes. D'abord, les plus anciens qui m'ont accompagné depuis fort longtemps, Jean-Yves de Lépinay, premier gérant de Médias et Médias, Marc Marchand, Jean-Jacques Occard, qui est actuellement le gérant de Médias et Médias, Marc Marchand et à leur production, et tant d'autres qui sont là et que je remercie chaleureusement d'avoir eu la patience de m'aider à conduire cette entreprise qui était longue puisqu'il y avait beaucoup de productions à mener et qu'elle occupait un temps mythique, incalculable, puisque cela plonge dans notre plus ancien passé pour venir jusque l'art contemporain, mais aussi qui a pris un temps de production assez long par la nature des choses. Donc je les remercie et puis je passe donc la parole à celui qui est finalement l'hôte de ces lieux, monsieur Patrick Gendreau, président du conseil départemental de Lyon. Bien, je salue la présence des parlementaires, André, monsieur le député, mon cher André, ancien président du département, madame la sénatrice Dominique Vérien. Et puis je risque, vous savez, quand vous énumérez comme ça toutes les personnalités, hein, je vois quelques maires qui sont ici, les représentants de la gendarmerie, mon colonel, vous allez en oublier. Donc je voudrais en tout cas saluer toutes les personnes ici présentes, vous souhaiter la bienvenue. Merveilleuse, hein, je ne vais pas toutes les énumérer. La première qui me vient à l'esprit, c'est Vézelay, bien sûr. Hein, et ce n'est pas pour faire plaisir à André, hein, l'élu de Vézelay, mais c'est parce que Vézelay est quand même inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Et puis aujourd'hui, on espère obtenir le label Grand Site, hein, ce qui n'est pas rien, puisque Grand Site, il n'y en a que 17 actuellement. Donc Vézelay serait le 18e. Et puis on a le Château des Bâtisseurs, Edlon. On a Pontigny, on a Saint-Fargeau,
tant l'est en six francs, et je vais en oublier encore une fois, mais Lyon est tapis de richesses, on ne le dit pas assez. Tout à l'heure, vous parliez des médias, donc il y a des médias qui sont ici, et j'espère qu'ils sauront relayer justement toutes ces belles richesses que nous avons, hein, et alors que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Alors voilà, donc je voudrais vous remercier. Je remercie bien sûr tous les artistes et sculpteurs, cinéastes qui sont ici. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, je ne veux pas en oublier. Je veux saluer également tout le personnel du département qui s'est impliqué pour que ce vernissage soit une réussite. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le commissaire, puisqu'il y a beaucoup de monde et des longs discours certainement, eh bien, j'arrêterai là le mien. La région Bourgogne-Franche-Comté, aux côtés du département, sont bien sûr présents pour soutenir toute l'attractivité de nos territoires au niveau touristique, patrimonial, mais aussi du développement économique. Et on sait que ce territoire est un territoire un petit peu particulier l'agencement de nos territoires, mais c'est vrai que la région est présente, elle a répondu présente bien sûr à cette exposition. Et puis donc on sait qu'on va passer, elle va passer aussi par Tonnerre, donc il faut aussi le dire, parce qu'on a aussi à découvrir, à redécouvrir, à serpenter aussi. Oui, parce que j'ai voulu être très bref et finalement l'essentiel m'a échappé, c'est que une fois tout cela fait, il fallait un lieu. Les Mélusines, ce que nous appelons Mélusines ici, ces serpentes, sont des êtres liés à des lieux, particulièrement à des sources, qui représentent le renouvellement des saisons, la fructification. Et je ne voulais pas un lieu muséal pour cet ensemble. Il fallait un lieu où il y a un effet d'écho entre le lieu même et l'exposition. Un jour, grâce à une exposition qui avait été organisée à Tonlay, j'ai rencontré votre directeur des affaires culturelles qui m'a parlé de Mulne. Il m'a dit « Allez voir, je crois que ça vous intéressera ». Et là, je suis tombé totalement sous le charme. Pourquoi ? Parce que dans ce plateau nu maintenant, qui était au milieu d'une forêt, ce relais de chasse très simple, très pur, très Renaissance tout de même, dans tout l'esprit mythologique de la Renaissance, est en fait un temple construit autour des trois sources, un temple aux nymphes de ces sources, mieux qu'à Fontainebleau. Et j'ai vu cet escalier en spirale qui monte à partir des sources, autour duquel se construit ce château, qui en son cœur, cet escalier, qui est lui-même le cœur du bâtiment, donc le cœur du cœur, est un puits qui, du haut jusqu'en bas du bâtiment, laisse voir l'eau noire des sources profondes. Et tout en haut, c'est un puits de lumière. Et donc, la lumière et l'eau, par l'effet de magie de cette espèce de temple, d'ailleurs fait de l'escalier de colonne dorique, donc je pense qu'il y avait vraiment une pensée de cet ordre chez l'architecte, est un instrument pour lier deux éléments fondamentaux. L'un le plus léger, le plus impalpable, le plus évanescent, l'autre le plus nourricier, l'eau qui coule en veines, et en faire une synthèse. C'est-à-dire que c'était pour moi comme la serpente que j'avais rencontrée en Pennsylvanie. C'est-à-dire qu'il y avait quelque part, de manière indiscernable, insaisissable, ce point bleu qui est celui où les choses passent l'une dans l'autre et qui unissent le même et l'autre. Et je pense qu'en notre temps, c'est une chose merveilleuse que ce que j'ai voulu faire dans cette grande entreprise de Lac Noir et ce lieu qui vient du très profond de notre histoire se réunissent pour associer le même et l'autre. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Merci beaucoup. Donc je vous invite maintenant à démarrer officiellement justement cette visite sous les commentaires éclairés d'Emmanuel Racquin-Lorenzi. Mais avant, le début officiel de cette visite va être, comme dans beaucoup de cérémonies, un hissage de drapeau, le drapeau de la serpente, par M. Racquin-Lorenzi et M. Gendreau.
Voilà. Et pour terminer, je m'accorde une petite liberté. Effectivement, j'ai expliqué à ce monsieur, quand il est venu me voir, que le château de Molne devrait l'intéresser. Et il est revenu une heure plus tard avec une sorte de fièvre dans les yeux, en me disant « ça ne peut pas se passer ailleurs au monde ». Voilà. Donc, ça y est, on y est. 3 ans plus tard, nous y sommes. Alors, juste un mot pour vous dire, avec ou sans micro, que le drapeau serpente, il fait partie de l'exposition. C'est-à-dire que les mélusines, les serpentes, ont deux natures. Elles ont une double nature. Une nature aérienne, après le cri, et une nature aquatique. Enfin, elles sont des déesses, des sources, des nymphes. Et donc, après que vous ayez fait ce parcours, je fais voir le vent, qui est le second domaine de Mélusine, enfin de la serpente, grâce au drapeau. Donc il fait partie de l'exposition, c'est pas simplement un signe de reconnaissance. Ah bah oui, c'est Gérard Courant. Ah oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour, Jean-Yves de Lipnay. Oui, je vous ai reconnu. Moi j'ai mis une seconde, il a fallu me rappeler. Ah, regarde, ça se lève. Maintenant à pénétrer dans le château, vous verrez, il est nettement plus frais. Bon, alors le vent manque un peu. Bon. Je disais à monsieur le commissaire que je n'ai pas commencé à regarder, mais non plus. Vous voyez, finalement, hein. Vous avez dû faire de la voile parce que vous vous sentiez assez à l'aise. Vous avez vu qu'on arrive à dérouler quand même le. Cher Gérard. Non, mais ça y est, le vent se lève. Super vite à l'infime vidéo. GoPro. À la GoPro. Ah voilà, ça y est. Il flottera mieux à 5-6 heures. 4 degrés, je sais bien voir. Parfait. Pour la légèreté. Bon, alors. Vous avez entendu Oui, mais j'ai tout fait. Je ne savais pas qu'il y avait une visite après sous votre égide. Donc j'ai tout fait et ça vraiment c'est un coup pour moi un peu le parcours du combattant. Ben oui, j'imagine. Personne impatiente. Je comprends. Bon ben. On vous racontera. Voilà. Alors nous allons passer. Donc voici la première salle, celle de l'œuvre Le Pont de Yuris Boyko, un étang qui évoque le pont qui est au bord de la foire et où les gens passent et où leurs ombres, nos ombres se mêlent à leurs ombres. Donc c'est une manière à la fois de nous séparer du dehors, on entend le chant, la mélopée de la mendiante au passage, le son de nos pas normalement, mais là on piétine donc ça ne s'entend pas, mais résonne et se mêle au piétinement des gens, et donc ça nous mêle des gens, aux gens de la foire et ça nous sépare du dehors. Donc c'est cette introduction un peu initiative qui nous permet d'entrer dans l'exposition. Ensuite, descendons sur les tréfonds du
château. On apprécie la fraîcheur. On apprécie beaucoup la fraîcheur. Et là, nous arrivons dans une évocation de la foire elle-même, cette très ancienne foire de Transylvanie qui remonte au haut Moyen-Âge et qui a été établie au XIIIe siècle, on dit, lorsque des habitants du village ont tué à coups de flèche le chef de l'ordre de Tartare, et un droit illimité de foire a été établi à ce moment-là. Et nous voyons là des photos de Katalin Bolchanski, je ne sais pas si elle est là, elle n'est pas là. Donc j'ai demandé à trois photographes de venir dans la foire. Moi j'avais fait un premier rouleau de photographie en 1976, et ensuite j'ai demandé à Katalin Bolchanski, à Andrés Grant, un photographe letton, et moi-même j'ai refait des photographies, donc on a conjoint nos trois regards, et j'ai ensuite acheté aussi toutes les photographies qui étaient faites sur commande par les habitants du lieu et les visiteurs de la foire. Alors là, nous voyons des photos de Katalin Bolchanski. Là, nous voyons essentiellement de face des photos de André Grand. Et bien des autres de Katalin. Et ici, nous avons une première vidéo entre chien et loup, qui est une vidéo de Le Tacon qui est là, derrière, et qui évoque aussi cette foire qui a été prise à l'intérieur de la foire, qui est la plus belle évocation de la foire. Voilà. Et qui sera programmée à Laigne, au Vox, au cinéma Vox de Laigne, à quelle date, le 25 ? Le 27 juin. Le 27 juin. Alors, en cinéma. Donc, c'est un premier parcours que je fais assez rapide, si les gens veulent après se donner en détail. Super beau. Alors, j'adore ça. Très important, ici vous avez des oiseaux sifflets qui, alors il faudrait lire le texte, mais qui ont une grande importance symbolique et magique, qui sont vendus en cette foire et qui sont censés le roucoulement des oiseaux qu'on obtient par le frottement du souffle et de l'eau a des vertus magiques et provoque, un peu comme les contes que vous verrez plus tard, peut provoquer des métamorphoses. Et ils sont donnés aux petites filles qui les abandonnent, dit-on, les gens au premier sens, c'est-à-dire quand elles deviennent capables de procréer, parce que ça a une vertu trop fécondante. Et voilà le fameux violon trompette qui est un monstre organologique, il unit la trompette et le violon, c'est un violon sans corps. La caisse de résonance est remplacée par un trompette. Il a été inventé à la fin du 19e siècle dans cette région. Et les premiers enregistrements ont été faits par Béla Bartók quand il s'est promené dans la région. D'accord. Au début du 20e siècle. Découverte. Voilà. Et ça, c'est un des objets qui m'a conduit, parce que qui m'ont permis de comprendre un peu les idiosyncrasies. Il est bien présenté, là, bon. Avec l'ombre. Oui, j'ai essayé d'utiliser au maximum les capacités du château. C'est bien. Et avec, au milieu de ces photos, une petite fille et un cœur de pâtisserie qui est vendu dans la foire, dans laquelle est incrusté un miroir. Ça aussi, c'est une valeur symbolique forte qui est expliquée dans les petits panneaux. C'est que ces cœurs sont offerts aux adolescents quand ils atteignent l'âge d'adolescence. Et pourquoi ? On dit qu'ils se mangent le cœur et qu'ils mangent le miroir. En réalité, il s'agit de se mettre le regard est un thème fondamental dans cette région, se mettre le regard au cœur. C'est-à-dire que le passage à l'âge adulte, c'est avoir à s'asseoir en soi-même, dans la précarité du regard, et cet objet symbolise cette ingestion du regard, où tout d'un coup, on rentre en soi-même. Et à la même époque, les petites filles, on leur offre cette petite statue, une petite fille qui en génuflexion, enfin pas en révérence, voilà, une petite fille en révérence, comme adieu à l'enfance, au moment où elles abandonnent le sifflet, la roulade. Pourquoi la roulade ? Pourquoi la roulade a cette valeur symbolique ? Parce que la roulade, c'est l'union du continu et du discontinu. C'est-à-dire, c'est la continuité du son brisé par la répétition multiple des roulades. Donc,
là aussi, ont au cœur de l'idée de la serpente, c'est-à-dire de ce point étrange où les choses se diversifient et s'unifient en même temps. Donc, c'est le point où la métamorphose devient possible. Et la fécondité devient possible. Donc, attention, petite fille. Attention à la marche, oui. Attention à la marche. Alors ici, on n'est pas trop devant. L'image d'un homme ah, de non, c'est bon. Qui est le violon trompette. Et ça, alors il y a des plages différentes. Là, c'est une plage où on entend le son du train qui passe à travers la foire. Ah, oui. Et puis, essentiellement, et puis on entend des bruits de la foire, des chants qui sont dans la foire, des violoneux qui jouent dans la foire. C'est juste une image de la foire. Et puis, des autres plages. Ce sont des plages où on a mis sur une prairie à l'écart les meilleurs violoneux de la foire et on leur a fait faire des suites de danse. Alors on peut entendre ces suites de danse aussi qui inondent l'ensemble de l'exposition à cet étage. D'accord. Et je pense qu'on va un peu plus fort. Là, on arrive. Je vous. On arrive dans une pièce où j'ai exposé les photographies que j'ai achetées au photographe local de la foire. Donc là, ce sont les gens qui le payaient pour se mettre en scène. C'est très différent de vous. C'est un peu volé. Là, c'est les gens qui veulent s'exposer, c'est les gens comme ils veulent se faire en scène, il y a des conjures là, vous le connaissez. Et voilà, ça c'est des tirages, enfin, ça c'est du faire, des tirages parisiens. Et là, c'est les photos qu'il a tirées pour les remettre aux gens. Je vais leur demander de montrer aussi bien les inventaires de chaque fois. Il y en a d'autres, j'ai vu celle-là. Et là, alors, par exemple, là, ce sont des commerçants de la foire. Là, ben voilà, vous voyez un adolescent à qui on vient d'offrir un cœur miroir. Alors, celui-là, très décoré, hein, mais il y a le miroir, là, et voilà, tout le monde est très fier. Il passe à l'âge adulte. Voilà. Et ça, c'est. Non, c'est la société de la. Ah oui, j'avais aussi. Voilà. Alors là, c'est une image qui a un statut totalement différent. Ça, alors là, il y a un film de Mircea Sokal, qui est un cinéaste roumain qui a commandé un film. Tous les éléments de toutes les œuvres ont été recueillis sur place. D'accord. Donc il a tourné dans la foire. Donc vous voyez la foire, et il imagine une fiction du retour, enfin de la mort vivant en fait, qui revient à l'intérieur de la foire, qui essaie de comprendre. Et bon, c'est un très joli film qui fait 35 minutes pour mettre un. Enfin, voyons. Ce sont des peaux de moutons. Ah, c'est des peaux de moutons, c'est les peaux des bergers. Ils se recouvrent de ce genre de peaux de moutons. Voudrait une photo de berger avec pourquoi des peaux de moutons. Non, bon, ça va très bien, là, je vous connais très bien, du coup. Là, on apprécie. Alors, j'en avais acheté un, je l'avais rapporté. Ouais. Et puis, il a été mangé par les mythes très rapidement. C'était épouvantable. Il faut qu'il reste dehors au froid. Ils ne peuvent pas. Ah oui, c'est des peaux de brebis. Hein. C'est des peaux de leurs brebis qui vont jusqu'au pied, qui gardent toute leur laine. Et ça, c'est des clochettes qui. Donc un film de Mircea Sokal. Bon, ils sont là que pour créer une atmosphère, hein, pas pour être visionnés. Alors on va voir sur le bas. Alors,
C'est longtemps, dis donc. Après avoir laissé bruire les sources dans l'ombre, l'architecte fontainier de Maulne les assemble dans le silence d'un long nymphée que souligne à peine un trait de pierre, afin de donner à voir leur jeune transparence où plonge notre regard, comme si désaltérés après leur longue course parmi les forêts, les chevaux des chasseurs, puis c'est un relais de chasse. Passant des chambres obscures à la lumière, le nymphée s'insinue entre terre et ciel, caressant de ses eaux serpentes l'étendue du grand plateau. Divisant ainsi, puis articulant les transparences et les voix des nymphes de ses eaux, l'architecte inconnu, maître de l'art subtil et retenu que pratiquent les fontainiers au pays du lac, énonce le phrasé simple qu'il orchestrera à travers l'entier château en déployant la volte de l'escalier serpente, puis d'eau et de lumière. À ce phrasé fait aujourd'hui écho toute la scénographie de Lac Noir. Voilà. Donc j'ai voulu vraiment l'enraciner dans le château. Pardon. Oula. Donc, après... Ah, moi, je l'ai toujours vu en eau. Toujours ? Ah oui, même l'hiver, même le... Non. Alors, parfois, il y a beaucoup plus d'eau, par contre. Oui. Alors, on arrive là. Et là, on va entendre et voir deux œuvres de grands artistes de notre temps. L'un dont la veuve est là, et qui est la serpente de Bernard Parmigiani, grand compositeur du GRM, et l'autre qu'on va voir d'abord, c'est Transylvanie de Thierry Kunzel. Les deux malheureusement sont décédés. D'accord. Transylvanie est une œuvre magnifique, où il a pris vraiment au pied de la lettre ce que je lui avais demandé, c'est-à-dire d'essayer de faire sentir le point du passage. Et son œuvre, qui est muette, qui dure 7 minutes, est une perpétuelle avancée à travers les paysages de Transylvanie, si bien que quand on arrive au bout, on a l'impression d'avoir toujours été sur le point du passage. Mm-hmm. On ne s'est jamais arrêté. Voilà, donc c'est comme une exploration de ce point bleu qui revient toujours dans mes paroles. Ça rassure. Là voilà, on voit à travers Alors ici, c'est les sources qui s'assemblent. Donc là, on est au plus proche de la nature profonde du château. Voilà, je baisse. Instinctivement la voix, comme si j'étais dans le tréfonds d'un temple. Mais c'est ici que les sources s'assemblent, bruissent légèrement, mais là, on est trop nombreux, mais on peut les entendre. Et ensuite, on arrive et on voit Transylvanie de Thierry Kunzel. Il faudrait voir les 7 minutes, les 7 minutes de l'œuvre. Là, c'est la fin de l'œuvre. On arrive dans une sorte de trou noir. Mais je vous invite à revenir la voir les 7 minutes. Elle est vraiment très belle. Et nous entendons déjà le 9e mouvement de la composition de Bernard Parmigiani, la serpente.
qu'il avait à partir de bruits enregistrés sur place. Et cassant les bruits, il a essayé de faire entendre la voix de la serpente. Ce neuvième mouvement s'appelle la serpente. Voilà. Donc là, on a voulu que ce soit totalement invisible. De faire des photographies, mais les trois photographes, Andrés Grant, Emmanuel Racal Lorenzi et Katalin Wojcicki, ont évidemment travaillé. Mais pourquoi les Tziganes? Parce que c'est un lieu où ils sont sédentarisés, mais ils sont quand même installés dans le mouvement. Et là aussi, c'est l'idée du déplacement du même à l'autre. Ils sont une espèce de figure du déplacement. Et en même temps, c'est eux qui animent, pressent les gens dans les foires en émergence. Donc il y a une série de grands portraits qu'elle a fait, et puis aussi le portrait moins pesé. De Yoris Boyko, le même qui a fait l'installation à l'entrée qui s'appelle Le Pont, et qui est tourné dans ce village. Dans ce village, c'est là. Très bien. Alors, ils adorent faire des photos, ils se montrent des photos, soit d'eux, ouais. Leur mère, ou leurs enfants, et là, c'est une caméra. C'est une photo de la tête, c'est une caméra. C'est une photo de la tête, c'est une caméra. C'est la
la fin du village Cigale, et on passe à une autre partie de l'exposition photographique, qui est, j'ai voulu que ce soit après, le retour, comme retour de souvenir des premières photos que j'avais faites en 1975 dans la foire. D'accord. Voilà un berger vêtu de sa houppelande. Oui, on voit qu'on n'est pas. Ah, c'est pas la même époque du tout. Oui, c'est ça. En octobre 1975. Il y a toujours ces manèges, ils sont toujours passés. Alors, les premiers. Non, ils maintenant, c'est un peu. Attends, c'est 1975, tu étais né? Oui, j'y étais. Les premières photos, c'était aussi c'est la même époque. Ah, tout ça, c'est la même époque, 76. Mais vous avez vu dans les années 90, il y avait encore ce manège. Maintenant, il y a des manèges plus légers. Là, c'est une photo, je vais vous la à la fin, c'est. Non, il y a ouais. Et puis voilà, un paysage de l'époque. Donc, là, on revient par là. Et on ne monte pas. On continue. Moi, je vais être une petite lèche. Indiquer qu'on n'a pas compris. Et là, nous sommes dans l'installation de Jean-Louis de Tacon. Ah oui, qui est faite dans la foire. Vous pouvez vous asseoir sur le banc, si vous voulez. Alors, c'est une. C'est mon temps, il y a des variations de son. C'est le fameux manège de la sous-dévocation du manège de la cave. Vous verrez, tout à l'heure, ça pourrait être assez rapide. Là, pour l'instant, et après ça change. J'essaie de tourner à l'époque avec une petite vidéo, pas très forte. Et ça a été monté en numérique. Je vais te dire, c'est les champs qui sont autour de Maule, en fait. C'est incroyable. Hein. On est vraiment. La broie vraiment. Et après, ça redémarre. Là, c'est l'image de début et de fin. Et c'est des images comme un cycle. Laissez-nous rêver, monsieur. C'est très bien. La campagne est belle. Autour de Maule. Thank you.
J'en ai une salle pour l'auteur de cette vidéo. D'accord, ravi de vous rencontrer. Enchanté, je suis brillant. Bah écoutez, moi aussi, hein, mes compliments pour le travail que vous avez fait. Merci, c'est bien. Moi bravo, et tous les collègues bravo. Artistes. Oui, non, mais on a besoin, si vous voulez, de tout ça, de se ressourcer un petit peu. Moi, quand je vois les photos là-bas, vous savez, je vais dans des pays comme la Géorgie, l'Azerbaïdjan, hein, au pied du Caucase. Hein, et on voit des enfants qui s'émerveillent, qui ont un regard comme ça, quand vous leur donnez un crayon de papier qui est à moitié usé déjà, vous savez. Hein, formidable. Hein, sur le plan humain, naturellement. Ah, bien sûr. Sur le plan bien humain, sûr. Hein, c'est important. Là, on a fait jouer, moi et les autres artistes, on a fait jouer les enfants, et les comédiens. Et voilà. Et vous avez fait des gens heureux, hein, des enfants heureux. Et c'est bien de retranscrire ça ici, dans un pays dit développé. C'est un long débat. Hein. Quand on voit les chars avant, c'est beau les chars avant. Ah, c'est la fin. Oui. Moi, tu connais. Le manège photographique est plus ancien. Plus ancien que quoi? Que celui-là. Oui, bah, il y en a que j'ai photographié en 76. Ouais. C'est mes premières photos. C'est pas une mise en scène. C'est la fin. C'est la fin de la fois. Bon, qui s'est bien dégradé maintenant. Je suis retourné cette année. Ah bon, c'est vrai? De plastique, ah ouais, c'est de. Beaucoup moins. Ah ben, ils sont toujours vendus, hein. Ils sont toujours vendus. C'est toujours une foire. Mais le jean, le plastique, les t-shirts ont tout envahi. Pourquoi les gens venaient en avec leurs habits? Enfin bon, la vie, hein, ça. Ça, c'est le cirque, c'est le genre de ceux qui présentent. On n'a pas vu la serpente cette année. C'est le casse-cou qui parle. C'est le casse-cou qui parle. Voilà. Et donc, toutes les compositions musicales de ces films-là, c'est le. C'est Christian Zanesi. C'est Christian Zanesi qui est là, quelque part. Voilà. Christian a fait l'orchestration après. Ah, ben oui, tout à fait, tout à fait. Le montage, le. Un dispositif comme ça, avec l'idée de présenter sur cet écran. Ah ben c'est moi qui ai fait la conception, qui ai proposé à. Oui, absolument. Ouais. La question c'est quand? Quand? Ah, quand? Quand? Je ne doute pas. Quand? Non, excusez-moi. 95, ouais, 95 comme assez ça. Vite, hein, assez vite. Assez vite après le tournage. Ouais. 80, je crois que ça doit être. Il faudrait voir sur le générique, c'est marqué. Mais... Oui, ah bon. Oui, d'accord, donc c'est pas pour dans le cadre de cette exposition. Si, c'était pour. L'exposition s'est préparée, ça n'a jamais été vu avant cette exposition. Toutes les œuvres sont originales et jamais vues. Tout était préparé dans cette perspective. Mais comme les choses mettaient un temps divers pour être produites, ça a été. C'était une idée de Pascal à l'origine. C'est-à-dire, quand nous sommes montés, partis à Budapest en Hongrie, on a dit à Pascal. C'est des contrats. On a fait un contrat comme quoi nos œuvres ne seraient pas montrées que d'ici la première mondiale. Donc, d'accord. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Voilà. Et donc, c'était annoncé, l'installation, l'expo. Oui, tout était prévu. Il y avait une bande d'art vidéo, une installation. Depuis le début. Ah oui, depuis le début. Depuis le début, c'était prévu. Pas eu de. Très bien. C'est vraiment. Il se trouve que 30 ans. Oui, c'est ça. En fait, il y a c'est une date. C'est une date. On continue voilà. Mais en même temps, voilà. Il y a. Ça va, ça se passe bien. J'en suis, j'ai pas perdu de temps. Alors je connais par cœur, les merveilleux escaliers du monde.
y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Les rendez-vous qui se font, c'est comme un peu les Donc, ici, nous sommes dans une salle qui est consacrée, le début d'une partie de l'exposition photographique qui est consacrée aux paysages, et dans lesquels il y a aussi le long métrage qui sort à Paris, qui s'appelle le champ de la couleur, et il y a une sculpture. Une étrange sculpture que j'ai trouvée un jour au milieu d'un grand plateau qui ressemblait à une plateau de Nombre, mais qui prend encore plus large et désertique. Et dans ce plateau, il n'y a aucun arbre. Très haut dans la montagne, il n'y a aucun arbre. Et je vois, je connaissais bien ce plateau parce que j'y faisais un travail ethnographique à ce moment-là, et je vois un tronc d'arbre blond scié en 1, 2, 3, 4 morceaux. Et les morceaux étaient séparés, là, là et là, mais sciés net, comme ça. Et il était au milieu de cet espace, et c'était très étrange. Et pour moi, c'est, sur le plan ethnographique, ça correspond à ce que vous allez voir plus loin, qui sont les conques, qui sont des objets qui sont faits pour déclencher des métamorphoses, qui sont posés, qui sont rapportés d'ailleurs, posés là, donc il y a l'idée de déplacement, et qui sont à peine retouchés, de manière très discrète. Et là, on voit très bien que l'écorce a été levée, qu'il y a l'ébauche d'une haine, qu'il y a l'évocation, est-ce d'une nymphe, est-ce d'un satyre, est-ce d'un... Voilà, on ne sait pas exactement, mais c'est le début de quelque chose, et en fait, ça permet d'accéder... C'est des objets qui sont censés accorder un regard avec un paysage. C'est-à-dire qu'il devient le centre du comme microcosme, macrocosme. Enfin, il y a une espèce d'effet d'écho qui se produit entre cet objet et le paysage. Alors moi, j'ai fait un geste ethnographique qui peut paraître violent, c'est-à-dire que je l'ai pris. Bon, mais en même temps, je connaissais bien le contexte ethnographique. Et je savais que ces objets, ils sont destinés à quelqu'un. On savait que je fréquentais ce lieu. Et on savait que je m'intéressais au paysage. Donc, à mon avis, c'est un cadeau, une forme de cadeau. Et on sait que dans ce genre de tradition, celui qui vient, à qui est destiné l'objet, s'il décide donc de rage, parce qu'il ne veut pas, le brise par exemple, au contraire, ça enfonce le clou et ça renforce la puissance de l'objet. Donc je me suis dit, après tout, et je l'ai pris, et voilà. Et j'ai laissé les autres morceaux en place, et il y avait ce vide central quand je partais. Je me suis retourné et j'ai vu ce vide au milieu de l'espace et c'était le point d'équilibre de tout l'espace. Et c'était là qu'ils sont rassemblés. C'était très beau. Voilà. Et donc là, c'est des photographies essentiellement de André Grant, de Raph Béton. Ça commence... Alors, il y a une histoire qui se raconte là. Ça commence par les ongles. Les ongles. Là, une photo que j'aime beaucoup, qui est un paysan dans la charrette s'est renversée. Qui est même noyé dans l'ombre, dominé un petit peu par le destin, accablé par la. Voilà. Et ce n'est que d'ombre, et on peut chercher, on peut la rider à le trouver quelque part dans l'ombre. Un peu comme le loup dans le regard, dans les images d'enfance. Et puis, l'obsession de l'ombre, et puis de l'eau. Ça, c'est ce fameux lac sans fond qui a donné son nom à Negreni Fekegeto, le lac noir, qui est d'où l'idée de lac noir, le titre de l'exposition, qui prend son nom du village, hein, parce que le village s'appelle le lac noir. C'est le fameux lac sans fond qui n'est pas là, qui est dans un autre village. Et là, ce sont des photos toujours où l'ombre est dominante. Et puis on passe là et on arrive à des grands paysages, très dépouillés, des paysages en suspens, où on a l'impression que quelque chose pourrait se passer, pourrait se produire. Et quand on le moment de suspens, les choses ne se produisent pas encore, ils vont se produire. Particulièrement cette photo, par exemple, que j'aime beaucoup, et celle-là, qui est une. Alors, c'est une section qui s'appelle Route aux lieux, mais des routes qui ne mènent nulle part, des routes qui ne mènent que vers elles-mêmes. Et donc, des instants qui valent pour eux-mêmes, des lieux qui valent pour eux-mêmes, et tout ce. C'est comme la serpente, c'est des lieux où tout peut passer, tout peut se passer. Voilà, une route qui ne mène nulle part, mais qui est un lieu.
Voilà. Ça, c'est une photo de Catherine Bocchassi. Ça, c'est une photo de moi. Et après, il y a une section, toujours pour tous les lieux, où j'ai mis quelques photos. Alors là, c'est cette photographie, pour moi, représente... Ah, pardon, il est pas là. Donc dans cette section, ce sont les photographies que j'ai faites, et qui représentent... Alors là, on commence par une photo qui, pour moi, c'est trois bûcherons qui ont des regards tournés en diverses directions, représente Janus, ce dieu de la limite qui regarde à droite, qui regarde à gauche et qui est le dieu des interstices. Et on le rencontre au cours de cette pérégrination. On arrive vers des lieux où l'eau domine et puis vers ces paysages étonnants. C'est dans un de ces paysages que j'ai trouvé l'arbre blanc. Voilà. Et avec ces barrières étonnantes qui scandent tous les paysages, qui suivent toutes les courbes de terrain et qui sont parfois... pointu comme ça. Et puis, ce paysage, on arrive à ce paysage qui est presque abstrait, qui est un paysage, il y a juste un petit relief. C'est là. Voilà. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là. Voilà, voilà, oui, voilà, dans la vidéo. On se croyait chez nous. Là. Mais oui, oui. Voilà. On a le droit. Hein. Ah ben, absolument, je veux dire, tout est en tout. Et voilà le dernier paysage, plus paisible, plus... Et alors là, nous avons une série d'objets qui ont une valeur symbolique et importante. Il y a d'une part une canne de berger, une canne de transhumance, tout à fait historiée, un peu comme des tatouages, des cannes qui font pendant les transhumances, et qui ont une valeur phallique. Et derrière, il y a un tablier qui est brodé par une femme au début du 20e, fin du 19e, en broderie en soie, etc., avec des applications de soierie lyonnaise qui étaient colportées jusque-là. Et il y a des rituels où les femmes faisaient ce genre de tablier et les portaient en faisant des promenades de palissades, parce que les palissades, comme en figure de la limite, étaient aussi des favorisaient la fécondité, et donc toujours l'idée du partage du même et de l'autre. Et elles faisaient des promenades crépusculaires aux palissades dans un autre village, pas dans le village où elles étaient. Et leur mari souvent posait contre la barrière une canne de berger, comme ça. Donc il y avait une espèce de convergence du phallique et du vaginal, je dirais. Enfin bon, parce qu'en plus, il y a cette double valeur dans les barrières, avec l'angle, le hors-angle qui est plutôt phallique et l'intérieur de l'angle qui est plutôt vaginal. Donc le masculin et le féminin qui s'assemblent. Et c'est d'ailleurs les symboles, vous voyez. Au milieu de la canne, il y a, ce qui est un symbole phallique, il y a le sexe d'une femme béante. Je veux dire. Donc, je veux dire, voilà, c'est des objets qui unissent les valeurs masculines et féminines. Sucre, oui. Voilà. Alors, en plus, c'est de le regard des enfants. Je ne sais pas si. Il faut le regarder de près. Si vous ne l'aviez voilà. pas dit, on ne l'aurait peut-être pas distingué. Voilà. Là, j'ai voulu qu'il y ait un cabinet de lecture. Alors bon, ce sont que des livres, je n'ai pas encore complété complètement, parce qu'il va falloir que je mette des marque-pages, où il est question de la serpente, dans différentes époques et dans différents moments de la littérature. Il y a des livres d'ethnographie, il y a des livres de cosmologie, il y a des... Voilà. Donc, et il y a même une table où on peut s'asseoir et consulter le livre Le Pays du Lac, qui est là, auprès d'une lampe. Mm-hmm. Et... Je peux vous le faire feuilleter déjà. Ah oui. C'est mon livre qui sort à l'occasion de cette exposition. Oui, voilà. Oh là là, voilà. Oui, c'est très dense. Ouais. Voilà. Donc on retrouve tout. Voilà. Ce n'est pas un catalogue de l'exposition, hein. C'est un livre pour lui-même. Voilà. Très bien. Voilà. Je tu veux feuilleter, Muriel. Je veux feuilleter, oui. Alors il ne sort que le 7, mais il est déjà en vente ici. Je pense qu'on m'autorisera à intervenir. Et alors voilà les fameuses contes. Alors ces contes, je ne sais pas si vous avez raconté l'histoire, vous avez entendu, c'est-à-dire ce sont des objets. Parce que c'est l'invitation, c'est ça. Ah oui, hein. Ce sont des objets qui sont modelés par des paysans. Ouais. On ne sait pas, anonyme. Qui l'a fait, etc. Mais en réalité, ils sont, ils modèlent ces objets de terre crue, qui n'est pas cuite, et ils les posent
dans un paysage, en général dans une lisière, dans un lieu de passage, au pied d'un pont, près d'une palissade, justement, enfin, tous ces objets qui sont chargés symboliquement, objets ou lieux. Et ils les posent au crépuscule, crépuscule du matin, crépuscule du soir, aussi moment de passage entre la nuit et le jour et la nuit. Et ils sont destinés à quelqu'un en particulier pour déclencher une métamorphose chez cette personne, qui peut être très métaphorique, cette métamorphose, ou bien physique. Par exemple, quelqu'un qui, dit-on, a une odeur de tilleul régulièrement, chaque printemps, bon, parce qu'il est métamorphosé en tilleul, ou bien, enfin bon, il y a toutes sortes d'histoires, ou ça peut déclencher une liaison amoureuse, faire en sorte que quelqu'un s'établisse dans un lieu, ou le quitte, passe de la sédentarité à l'odorabilisme, ou l'inverse. Et si la personne à qui ils sont destinés voit cet objet, voit la lumière du crépuscule qui s'insinue dans l'objet et que son regard s'insinue en même temps au bon moment, que ce soit la bonne personne, le regard et la lumière du crépuscule se nouent dans cet objet et c'est là que se déclenche la métamorphose. Et ce qui est le signe de cette métamorphose réussie, c'est que le crépuscule sans cesse ondoie à l'intérieur de l'objet, on peut envoyer. À ce moment-là, le maître revient, casse l'objet, dans la mesure où il est cassé. Et parfois, c'est la personne elle-même qui le casse de rage, et ça a coupé aussi. Là. Alors voilà ces objets qui sont parfois, je les appelle des comptes, il y a différents noms qui vont utiliser, différents noms. Et ils ont des formes assez différentes. Généralement, ils sont de terre pâle. Alors j'ai mis aussi un gros plan de l'arbre blanc parce qu'il a la même fonction. D'accord, oui. Alors, ils sont posés sur le sol, par exemple, cette partie-là, on ne la voit pas. Ça fait un bras et un serpent. Mais on ne la voit pas, ce qu'on voit, c'est cette partie-là, qui est une espèce de modelage qui est fait pour capter la lumière et le regard. Mais ça peut être des formes comme ça, ça fait trois fois la même. Avec des... J'ai essayé avec ces photos de rendre compte du premier regard des gens dans ce crépuscule. Et là, c'est l'ébauche d'un serpent, dirait Paul Valéry. Mais ça peut être très anthropomorphique comme ça, mais alors l'autre côté qu'on n'a pas là ressemble à ça. L'autre côté est un modelage. Au bord du lac Pernitsa, j'en ai trouvé moi-même. Celui-ci, voilà. C'est un dôme. C'est à la fois un serpent, une serpente, un dôme, et il y a des trous pour que la lumière passe d'un côté à l'autre. Oui, c'est pas du tout anatomiquement juste. Et il y a des évocations de la serpente. Alors là, par exemple, on a trouvé brisé, parce qu'il y a eu la brisure rituelle. Celui-là aussi. Oui, ce sont des argiles, en fait. J'ai cru. Oui. Séchées. D'où la grande fragilité. On en trouve très peu. Alors, d'après les légendes, les récits, le mieux, c'est que la pluie survienne et les dissolve. Voilà. Parce que ça, c'est, il y a tout. Voilà. Les potiers, tout. Et puis l'idée de l'eau. Enfin, toujours l'idée de la serpente, de l'eau. Voilà. Et de la fluidité, du passage, du celui de fluide, etc. Mais vous allez, s'il n'y a pas de l'eau, le mettre bien avec les brises. Et on, il ne faut pas les prendre. Alors là, il faudrait. Non, on dit. Mais enfin, tout le monde en prend, et voilà. Bon, j'en ai trouvé chez des gens. Là, on entre dans l'installation Transylvanie-Kunzel. Vous avez vu sa vidéo en bas. C'est presque la même vidéo, mais projetée sur un rideau d'eau verticalement. C'est-à-dire que là aussi, c'est la fluidité de la serpente et l'aspect. Voilà. Alors, écartez-vous, s'il vous plaît. On est la vision de là-bas. Merci. Non, pardon. Totalement cohérent avec l'installation.
pierre, hein, si vous voulez. Derrière, il y a les contenus, les vrais, pas les photos. Une collection, mais elle est très précieuse parce que. Bah voilà, vous voyez. Effectivement, j'ai compris. C'est gros, c'est petit. Bah ça, on dit que c'est à la taille des mains du. Oui, c'est ça en fait. Voilà. Et on dit que c'est jamais posé. Il ne les pose pas, il les modèle entre les mains en l'air, comme ça, sans les poser. Ah, c'est ça. Tu peux laisser un message. Là, on est obligé de ressortir. Ah, est-ce qu'on passe pas là ? Voilà, voilà. Ah, d'accord. C'est une voix sans issue. Alors, au revoir. La place par là, une meurtrière. Gros métier. Mesdames et messieurs. Oui. Ah, c'est meilleur ici. On y est. Alors là, ça s'appelle trois regards et c'est trois approches de la serpente. Une par une sculpture d'ombre. Voilà. Ici. On essaye d'apercevoir quelque chose de la serpente qui peut se glisser dans une ombre. D'accord. Voilà. Une ombre dans un jardin, dans une prairie, dans une clairière. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a une forme qui peut être celle. Alors c'est des moments très transitoires parce que c'est le soleil qui passe et c'est juste un instant que cette forme peut se dessiner. Mm-hmm. Mais là, je la stabilise, mais c'est un moment très particulier qui est une émotion où on se dit « Ah !» En général, c'est une émotion retardée, c'est-à-dire « Ah, je crois que je l'ai vu !» Oui, quand on est déjà passé, on ne la voit plus, mais on a l'impression de l'avoir vu. Là, c'est aussi un essai pour l'apercevoir. J'ai filmé un arbre sur trois faces à l'extérieur et je retourne pour qu'on puisse voir de l'intérieur. Ah tiens, ben là c'est en boucle, donc ça s'arrête de temps en temps. Voilà, ça repart. Donc, on voit de l'intérieur l'arbre. Et la même chose, c'est dans les anfractuosités entre les feuilles, essayer, si on reste suffisamment longtemps, de voir quelque chose qui glisse et qui est quelque chose comme la serpente. Comme cet instant fragile. Comme votre fils. Là, les paysans de la région. Il y a des paysans, qu'on appelle des doués, qui ont des fonctions, qui emmènent les gens pour voir justement des moments de transition. Alors, par exemple, quand il y a une pluie, alors là c'est un appareil qui mouille de temps en temps la pierre, là elle est en train de sécher, quand il y a une pluie, certaines pierres changent de couleur, comme une ardoise. C'est de l'ardoise. Voilà, ça c'est de l'ardoise. Et ce
qu'ils essayent de percevoir, c'est le moment de la bascule entre le gris de l'ardoise, en l'occurrence, et le noir profond de l'ardoise mouillée. Et le moment du séchage, et du, voilà. C'est toujours ce point d'incertitude et de glissement entre les choses. Qui, voilà. Donc là, on peut, par exemple, artificiellement, c'est, voilà, puisque là, elle ne se déclenche qu'une fois par heure. Hein. C'est le temps de sécher. D'accord. Puis, peu à peu, elle sèche, et on, si on a suffisamment de patience, on attend le moment où ça sèche. Là, ça va sécher assez vite. Avec oui, c'est sûr. Je veux dire, je pense qu'on peut assez vite percevoir la transformation. Oh non, ça va. Alors là, il y avait un panneau qui manquait, il faudra que je me souvienne, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, donc il faudra que je le rajoute. Mais là, c'est dernière approche. Alors, on essaye d'apercevoir, de faire apercevoir le corps de la serpente. Je vous laisse regarder, c'est une sorte de pipe chaud. Décidément. Oui, en fait, c'est très abstrait. C'est pas Pigalle. Hein. Ça a beaucoup changé, Pigalle. Voilà. Jette ton regard en bas. Oui. C'est ce qu'on a sur le drapeau. Absolument. Voilà. Et après, prochaine vision, c'est le vent. On l'a pas dans le voyage. Et là, c'est le. C'est pas un pipe. Non, c'est pas Pigalle. Non. Voilà. Et là, c'est le puits qui est sonorisé. C'est-à-dire qu'à l'heure juste, au quart, à la demi, à moins le quart, il y a une sonorisation avec le cri de la serpent. Déjà passé. C'est donc transformé. Alors, c'est vrai. Là, on prend une source, une composition de source, une source que j'ai enregistrée en Transylvanie et dont j'ai fait. Alors, il y a un trio. À la demi, c'est le cri. Voilà. Donc il y a un trio de sources. C'est le rythme en fond du. Traverse tout le. Alors on peut avec la foule. D'abord, je étudie les niveaux. C'est vous qui avez gravé cette pierre C'est pas vous. J'ai fait mieux dernièrement, il y avait rien. Avant, il n'y avait rien. J'ai trouvé une pierre gravée avec mes initiales. C'est vrai. ER, enfin les initiales. ERL. C'est mon histoire. Ouais, c'était sans doute même histoire. C'est signé Sophie, je crois. Ou Sylvie, c'est Sylvie. Ah, Sylvie. Ah, c'est Merval. Non. Et c'était qui, celui que vous aimiez à tout qu'on le sache. Donc c'est des compositions de sources qui sont là. Ça fait une grande sonnette, c'est pas fait. Attends, on n'a pas le droit. Parce qu'il n'y a pas de petite personne. Non, il y a pas de petite personne. Oui. C'est pas le même. C'est caméraman, là. Le bruit de la source. Vous êtes venu avec votre train ?
Comment ça va? Très bien. Salut. Tu me reconnais? Ah, toujours. Ah, bah moi aussi. Donc c'est bon. On a les cheveux blancs maintenant, c'est pas longtemps qu'on s'est pas vu. Vous m'avez vu déjà depuis un certain temps. Oui. Le film d'artiste. Tu n'as pas encore fait la visite? Non. Tu n'as pas encore fait le parcours? Non. Ben je la ferai avec toi si tu veux. Vas-y. Ah bon, non, mais tu l'as fait à quelle heure? T'en fais une autre? Oui, oui. Ah ben alors, on attend. Non, c'est bien. Exceptionnel. Du cerf, c'est interdit ? Hors chasse, on peut dire. Voilà, donc oui, j'ai fait le tour et retour. Ça va, hein? Moi, je me suis aperçu que j'ai un panneau qui manque. Le dernier sur mon installation 3 regards. C'est normal. Non, non, la perfection n'existe pas en ce monde. Il va falloir que je m'arrange. Ben, j'ai un présentoir avec le texte que j'ai oublié de mettre. Il est là. Non, il est là. Mais j'ai... Voilà. Je ne sais pas où, alors on l'a pris. T'en as un qui est au pied de l'escalier. Tu as mis quoi, là? Au pied de l'escalier? Oui, de l'escalier qui va à la terrasse. Tu m'as dit, j'ai mis un truc là. Il y en a un, là, c'est le dernier regard, etc., avec deux petites lignes. Allez. Je sais pas. Alors, allez. Peut-être qu'il était déplacé, que je n'ai pas vu. Allez, tranquille. Oui. Je te présente mon mari. Ah, bonjour. Bonjour. Le kiné. Il a là une poigne de kiné, hein, je veux dire, ça se sent. Oh, là, 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 là. Ouais. Merci de nous avoir prêté votre épouse. Elle a été formidable. Elle a été formidable. Vraiment... Et on lui doit beaucoup. Toutes ces victimes sont formidables. Et comment ils s'appellent les garçons qui ont fait Bonjour. Est-ce que tu as vu tes photos? Ah oui. Vous allez? Non. Ce n'était pas les miennes. C'est pas les tiennes. Il n'y a pas de problème. Ils l'ont dit au début. C'est la première chose qu'ils ont dit. Enfin, quand on est arrivé, parce que moi je suis arrivé après vous. Quand on a commencé les discours. On a hissé le drapeau. Oui. Fallait pas entrer. Je sais pas. Ils ont dû barricader ça. Non, mais c'est pas ça. Personne ne nous a dit quoi que ce soit. On nous a laissé. On nous a dit vous montez là-haut. Ah bon? Oui. Et puis donc on n'a pas compris. En fait, on vient faire un plan. C'était pour me caresser. Voilà. Moi, quand je suis arrivé, je me suis assis, j'ai tout regardé pendant une demi-heure. Et j'étais content de moi. Et...